Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, guérir soi-même. Et bienvenue donc dans une mise à jour de cette vidéo de slime. Donc voici notre slime que l'on a fait dans les semaines précédentes. Donc voilà. Donc regardons ce que ça donne. Donc c'est une slime que l'on a faite sur la chaîne. Donc voilà. Et toujours ce bel effet de slime. Bon après je l'avais rangé dans un sachet comme ça parce qu'il y avait ça rentré dans aucune boîte. Voilà une bonne consistance. Et elle sent bon le bilou encore, cette petite mousse odorante. Puis bon, elle fait aussi des prix assez rigolos. Voilà pour notre première slime pour donc qui fait partie de nos updates. Donc en voilà une autre avec de la colle. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, un beau rose. Et puis aussi à la fois bien rose et bien transparent. Voilà, une belle consistance, pas trop collante, pas trop sèche, très élastique. On peut l'arracher aussi avec un peu de force, on peut la couper en morceaux. Donc là pour l'instant c'est vraiment ma slime préférée, hein. Voilà, on peut la re-ranger dans sa boîte. Ensuite, j'ai celle-ci. Très jolie, encore aussi dans un petit paquet plastique. Donc on la sort. Un très beau mélange. Avec des perles colorées. Ok, donc voilà pour cette mise à jour, n'hésitez pas à me dire voilà quel est votre préféré. Donc ouais, celle-ci est vraiment gigantesque. Celle-ci est vraiment super aussi, hein, très jolie avec une bonne consistance. Les petites perles à l'intérieur, super cool. Et donc voilà. Donc j'ai encore une petite mise à jour pour vous d'une dernière expérience slime. Voici. C'est une squishy slime. Ben voilà. C'était avec des morceaux de squishy que je l'avais réalisé. Très particulier. Donc bien sûr, notre slime a la couleur du matériel de squishy, hein, de ce que l'on a découpé.
Donc voilà pour la dernière. Donc celle-ci est vraiment très originale, vraiment chouette. C'était une super expérience. Voilà une autre encore aussi. Donc dans les tons verts, donc ça fait un peu plus visqueux. Un très beau vert en tout cas. Ça fait un peu le vert extraterrestre. Ok, donc ça c'est. Et puis là aussi, on voit. On a aussi, j'avais mis aussi des petits morceaux de squishy à l'intérieur. Donc voilà, ça fait quelque chose de vraiment top. Voilà, puis ça fait des petits bruits rigolos aussi. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo, hein. Donc plein d'idées de bricolage et d'expériences comme ça. Et puis hein, vous allez trouver aussi plein de vidéos de slime. Comme vous pouvez voir, juste ici. Laquelle vous préférez? Dites-moi. Donc parmi toutes ces slimes que j'ai présentées. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos de lire vos commentaires. Et puis, je vous dis donc à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!